Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir infliger des dégâts à des adversaires en glissant. Alors tout d'abord, nous allons aller dans les paramètres manette. Voilà, juste ici. Et moi, en fait, j'ai des touches personnalisées. Donc regardez, ici il est marqué s'accroupir, glisser, réparer. Donc essayez de mettre votre touche s'accroupir, glisser, réparer sur une touche que vous aurez plus ou moins l'habitude d'appuyer pour pouvoir glisser. Donc moi je l'ai mis sur R3, c'est très très bien. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Donc ensuite, ben, vous lancez une partie et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, tout simplement, regardez quand vous arrivez sur la map de Fortnite, en fait, vous pouvez vous accroupir tout simplement en appuyant sur R3, enfin, ou la touche que vous avez prédéfinie. Donc, ce qu'il faut faire pour glisser, c'est tout simplement avancer et maintenir. Il faut maintenir pour glisser. Il faut pas appuyer une seule fois. Et regardez, là, je peux glisser. Ensuite, ben, je fais ça, je glisse, et là, je tire sur les ennemis pour leur infliger des dégâts en glissant pour les tuer et terminer le défi. Alors, il faut savoir que si maintenant vous êtes dans une pente, descendante, vous glissez, et ben votre glissade continuera en illimité jusqu'à la fin de la descente. Donc regardez, je vais essayer de vous le présenter sur cette montagne. Alors regardez, là il y a une grande pente, je cours, je maintiens ma touche glissée et là je vais glisser en illimité. Mais je pense qu'il faut maintenir la touche pour glisser en illimité, hein, sinon si je lâche la touche, ben, je ne glisserai plus. Et là au bout d'un moment, ben vous voyez que quand j'arrive sur le plat, je ne peux plus glisser. Donc il faut savoir que sur le plat, ben vous allez glisser pendant quelques mètres. C'est pas ouf, mais ça fonctionne. Et là, regardez, je glisse, je lâche le bouton glisser et en fait ça va, je glisse toujours. Donc il n'y a même pas besoin de maintenir le bouton glisser pour continuer à glisser. Donc ça c'est un avantage, comme ça ben vous avez la possibilité de viser plus facilement quand vous glissez. Donc regardez, hop, j'arrête d'appuyer dessus et je peux viser plus facilement. Alors ici, il faut savoir aussi que, regardez, si je fais ça, je saute, je refais ça, je saute, je refais ça. Et en fait, je peux glisser comme ça en illimité sur plusieurs mètres. Donc ça, c'est une petite astuce si jamais ça vous intéresse. Donc, vous pouvez faire toute la map en glissant. Je pense qu'un jour, je vais peut-être faire un record du monde où je vais glisser sur toute la longueur de la map. Je vais traverser la map en glissant. Pourquoi pas, ça pourrait être fun. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé et été utile aussi. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao, peace.